You always heard. Et voilà, mon gaillard. C'est là que tout va se jouer. Je crois que la mère d'Eleanor utilise la dent pour faire passer de force les souvenirs et les personnalités des citoyens de Rapture dans les veines de la petite. Et Lamb croit que ça fera d'elle une sainte. Eleanor se trouve dans une zone isolée, sous le QG de Fontaine. Si tu veux rester en vie, va falloir s'y faufiler et la trouver. Madame Lamb a l'air d'avoir beaucoup de goût et beaucoup d'esprit. Dorénavant, tout ce complexe est la propriété de la ville. Enfin, de Ryan Industries. Jusqu'à la fin des émeutes, en tout cas. Je regrette qu'il ait fallu prendre de telles mesures. Mais je dois avouer que je me réjouis de voir ce bâtiment condamné. Fontaine est partie. Lamb aussi. Ou presque. Je suis enfin au calme. Seul avec ma ville. De toute façon, ils sont sales au moins deux. Octobre 1967. Bonjour. Je m'appelle Gilbert Alexandre, et quand vous entendrez ceci, j'aurai sombré dans la folie. J'enregistre ces témoignages dans un dernier élan de lucidité afin d'aider quiconque essaierait de m'éliminer. Mon prochain message vous attend après le poste de sécurité. Le scanner biométrique déterminera si oui ou non vous êtes suffisamment sain d'esprit pour qu'il entre en votre possession. Gilbert Alexandre. Si j'ai bonne mémoire, il était impliqué dans le développement des protecteurs depuis le lancement du projet. Il doit certainement avoir sa responsabilité dans ce qui vous est arrivé à toi et à la petite.
Alexandre le Grand ? Bon Dieu, ça doit être Gilbert Alexandre, celui qui a laissé le message dont nous suivons les instructions. Il m'a l'air sacrément agité du bocal. Biométrique. Détermination du niveau d'accréditation. Identification effectuée, sujet de test clinique. Référence taxinomique, protecteur. Référence nominale, delta. Statut, décédé. Erreur. Actualisation du statut. Veuillez patienter. Secrétaire vous estime digne de confiance ? Delta, c'est cela ? L'un de nos anciens protecteurs. Vous êtes un très bon produit, Delta. Excellent, même ! Construit pour durer ! Oh ! Je crois qu'un de vos anciens collègues aimerait vous souhaiter la bienvenue. Thank you.
Delta. Statut actualisé. Statut actif. Accès autorisé. C'est encore moi. J'ai été exposé à une dose massive d'Adam. Lorsque vous entendrez ce message, sachez que j'aurai programmé la sécurité entière de ces locaux à son niveau de défense maximum. Ce qui veut dire que vous allez devoir détruire mes sentinelles et venir me tuer. Croyez bien que si j'avais pu moi-même mettre fin à mes jours, je l'aurais fait. Vous pourrez utiliser l'enregistrement qui se trouve sous cet écran pour duper le dispositif de reconnaissance vocale du poste de sécurité. Le mot de passe est « Agnus Dei ». Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Agnus Dei. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Agnus Dei. Accès autorisé. Bienvenue, Gilbert Alexandre. Je vous ai entendu, Delta. Ma voix appartient à l'entreprise, tout comme vous. Que je ne vous y reprenne pas. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Je vous avais prévenu. Exactement. 60 secondes de désactivation système. On dirait que Gilbert a verrouillé le bâtiment avec un dispositif de reconnaissance vocale. Vois si tu peux pas trouver un moyen de le saboter. Le poste de responsable de la sécurité dépasse de loin vos compétences, Delta. Si vous êtes à ce point désireux de rendre service, réglez donc les toilettes. Venez, je vous envoie un peu d'aide. Assumez maintenant. Riddick, vous n'avez aucune manière. Arrête!
Finalement, la prison fut une bénédiction pour moi. Ryan a trouvé la mort des mains de son propre fils. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est ce programme de suggestion coercitive nommé JVP. C'est une sorte de déclencheur pavlovien qui permet, à l'aide d'une simple phrase, de faire obéir le garçon à un ordre en toutes circonstances. En un sens, ce pauvre animal, ce demi-homme, avait réussi à fuir l'ego. Une intelligence supérieure, mais sans le libre arbitre et ses charmantes petites œillères. Et si on lui avait ordonné de soutenir l'intérêt général? S'il agissait de son propre gré? Nôtre la puissance des dieux. Toutes nos procédures sont rapides. Vous allez continuer longtemps à bâcler votre travail, Delta ? Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Merci pour tout. Les résultats par le fait. Investissez dans la technologie plasmidique dès maintenant. Delta, vraiment! La destruction d'un bien de Fontaine est passible de renvoi sans préavis! Vous comprenez ce que cela signifie, Delta? Que vous êtes viré! 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 Soignez, monsieur P! C'est vous, intérieur! La salle de conservation! Dans votre jeu. C'est mon poste que vous convoitez. Et vous y croyez avec votre profil? La bonne blague. Savez-vous à qui nous réservions ces combinaisons? À des criminels, Delta. Mais avant de renoncer, le conseil d'administration vous rirait au nez. J'ai d'autres passions à voir. On tient quelque chose là, petit. Une fouine de pirate a joué de la bidouille. Et la sécurité lui obéit au doigt et à l'œil. Bousille-moi tout ça!
quiconque est impliqué dans le commerce de plasmides a tôt ou tard besoin de cobayes. Des cobayes humains. C'est lamentable, c'est vrai, mais personne à Rapture ne souhaite connaître le prix de ces merveilleux plasmides. À l'époque, malgré une économie à l'agonie, les volontaires étaient rarissimes. Et puis, quelqu'un du nom de Sinclair nous a contactés, se vantant de pouvoir nous fournir autant de cobayes que nous le souhaitions. C'était une sorte de location de matériel, livré, ligoté et sous sédatif. Personne ne posait de questions. Cette petite infraction va vous coûter cher, mon garçon! Ce dispositif Delta, vous vous en servez comme un babouin! Thank you.
Chaque nouveau tyran s'aventure ici avide de conquêtes, Delta. D'abord Fontaine, puis Ryan, et maintenant toi. Mais tous les Césars doivent apprendre à se méfier des poignards de leurs associés. Et toi, Delta, qu'en penses-tu? Sinclair te sert de guide, oui. Mais qu'a-t-il à y gagner? Le tyran embrasse le monde, affirmant que tout entier, il lui appartient. Puis que ce soit par la force ou par la ruse, il fait tout pour concrétiser cette déclaration. Pour le tyran, la création, toute création, lui est inféodée. C'est autour de lui seul que tournent les astres. Pour le tyran, la justice elle-même est un jeu de l'esprit, car lui seul soupèse les arguments, mesure toutes choses, et tranche selon sa loi. J'enregistre ceci, j'ai encore du mal à y voir. J'ai toujours étudié la psychiatrie pour découvrir toutes les strates de la conscience. Mais l'intelligence ne requiert aucune introspection. Et le fils de Ryan s'est montré plus efficace que tous les autres rivaux qui étaient doués de conscience. Il a vécu sans se poser de questions. Moi aussi, je pourrais donc mettre fin à la conscience de soi et sauver le monde. Le tyran n'a nulle famille, nul ami, nulle patrie. Il ne laisse derrière lui que des esclaves enchaînés. À ses pères, il demande : à quoi me servez-vous donc ? Qui l'aime finit assujetti. Car le tyran ne connaît que la révérence ou la peur.
Notre espoir était de lier une petite sœur à un seul protecteur. Il fallait donc pouvoir la remplacer en cas d'erreur. Lors de l'élaboration de ce lien de parenté, nous ne pouvions pas laisser les parents de la fillette poser trop de questions. Alors, les orphelinats de Fontaine nous en ont fourni une. L'opération fut un succès sans précédent. Si seulement j'avais su que cet enfant était... Éléonore. Je regrette tellement. Dans le bras, transforme le plus irrécupérable des gratte-papiers en employé modèle. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir. Regardez, cela ne vous rappelle rien ? Ce soir, le scepticisme n'a pas sa place, pas plus que l'incrédulité. Fontaine Futuristics vous présente notre série révolutionnaire de plasmides de sécurité privée. Y a-t-il un volontaire dans la salle? Allons, allons, ne soyez pas timide. Monsieur, peut-être ? Non, je sens que monsieur est trop petit. Vous, madame, dans le fond, approchez ! On l'applaudit, mesdames et messieurs ! Pas d'autres volontaires ? Voyons, messieurs ! Laisserez-vous seul en scène cette pauvre femme anxieuse ? Approchez donc! Notre plus grande fierté.
News Day. Accès autorisé. Bienvenue, Gilbert Alexandre. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. C'est là que je vous attends. Tout du moins, à ce qu'il reste de moi. Venez, par pitié.
J'ai travaillé un temps avec les propriétaires de cet Oxy-Service. Si je me souviens bien, la station n'est qu'une façade qui dissimule un passage secret menant plus bas. Si Lamb planque Eleanor quelque part, c'est probablement là-bas. N'y voyez pas, Malice, mais ces lumières mettent mes yeux au supplice. Elles resteront éteintes jusqu'à ce que vous en ayez fini avec moi. Faites sauter les disjoncteurs, puis revenez ici rétablir le courant. D'une équation que nous n'avons qu'à résoudre. Elle disait que l'intelligence et la conscience sont deux choses différentes, car la conscience de soi devient une obsession de soi. Si nous pouvions supprimer ma conscience personnelle et me doter de la capacité cognitive de servir pour le bien de tous, nous pourrions créer ainsi le premier utopien. Et enfin, a dit Sophia, l'utopie pourrait naître. Sophia et moi, nous savions que la création du premier véritable utopien avait un prix, mon ami. Nous avions besoin d'un hôte pour tout cet Adam, pour les plus grands esprits de rapture. Un cobaye volontaire, c'est-à-dire moi. Oui, ce que vous avez vu dans cet aquarium, c'était moi. Je crains qu'Eleanor connaisse un destin qui, bien que moins marqué physiquement, soit tout aussi grotesque. Ce vivier de captage d'organismes aquatiques est le meilleur moyen d'en finir avec moi. Cependant, vous devez récupérer suffisamment de plantes gorgées d'Adam pour m'attirer. Les limaces s'en délectent et mon addiction est probablement le plus traître défaut de ma cuirasse. Je vous en ai laissé un spécimen ici pour que vous puissiez facilement les identifier. Je vous vois, Delta! C'est mon trône que vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, venez le chercher! Les clés que tu as réunies jusqu'à présent sont génétiquement encodées. Et pour trouver Eleanor, il va te falloir récupérer celle d'Alexandre le Grand. Avant toute chose, on va devoir lui mettre le grappin dessus. Trouve ses plantes et attire-le hors de sa planque. Vous allez mourir.
C'est la fin de la série Alpha. Le lien a fonctionné encore mieux que prévu. Cette cinglée de Tenenbaum a craché dans la soupe et a rendu leur humanité à certaines des petites sœurs liées. D'autres sont tombées aux mains des Crozomes. Dans les deux cas, le traumatisme a été trop fort pour leurs protecteurs et a entraîné une rage aveugle ou le coma. Nous pouvons exploiter leur agressivité suicidaire pour en faire des fantassins. Mais guère plus, je le crains. Aujourd'hui, j'en ai vu un s'agenouiller près d'un jardin des glaneuses et se mettre à pleurer. Responsable de vous laisser déambuler partout dans les laboratoires. Souffrance. Des types enfermés dans des costumes de métal qui déambulent sans fin, jusqu'à ce qu'un chromosome réussisse à buter la gamine et résultat, le lien conditionné les rend complètement marteaux. Une vie entière passée à hurler, seul. Enfin, toi t'es pas comme ça, hein? Allez, continue, il faut vite qu'on retrouve Eleanor. Ton corps commence à se disloquer. Ce désir irrépressible de trouver Eleanor te conduira vers la folie ou le coma. Tu n'as aucun droit sur elle. Tu incarnes les plus grands péchés de rapture. Et pourtant, tu n'abandonnes pas. Pourquoi ? Monsieur P. Yeah.
Le docteur Alexandre est d'accord pour accepter les deux mesures du projet Nouvelle Utopie. Il deviendra une sorte de chimère montante, l'hôte de tous les esprits de rapture, et accédera à leur ADN grâce à la dent que nous avons collectée. Et, prolongeant le travail de Souchong, j'ai développé une autre série de contraintes comportementales. Le docteur Alexandre va donner sa vie pour promouvoir l'intérêt général, littéralement. Son amour et sa loyauté seront répartis équitablement dans toute la race humaine. Toute ma vie, c'est ce que j'ai cherché à accomplir. Pour toujours, papa, en jouant aux apprentis sorciers. Tu sais, tu es la seule chose de belle que Rapture m'ait offerte. Oh,
Maman a détruit le docteur Alexandre. Elle a essayé de le transformer, de faire de lui un saint capable d'évaluer l'intérêt général et de le soutenir coûte que coûte. Mais elle a fini par en faire un être innommable. La philosophie de maman est aussi corrompue que celle de Ryan. Selon elle, il vaut mieux que tout le monde soit uni dans une même détresse plutôt que d'essayer de nous améliorer chacun de notre côté. Il faut que je sorte d'ici, coûte que coûte. Merci. Des filles me parlent, papa. Elles t'ont laissé un cadeau au jardin des glaneuses. Elle n'était pas supposée avoir un père, Delta. Elle est le fruit d'une vie de travail. C'est en cela qu'ils l'ont changée. Ils l'ont liée à toi. C'est lorsque ce lien est né que ma fille, l'enfant qu'elle était, est morte. Thank you.
nous avons soumis notre petite sœur, la plus âgée, à un nouveau conditionnement physique et mental. Et l'avons équipée d'une armure de protecteur modifiée par mes soins. Les plus jeunes l'ont surnommée la Grande Sœur. Bien sûr, ceci n'est qu'une solution provisoire. Entre la dangerosité des chromosomes et le vieillissement des petites sœurs, nous n'aurons bientôt plus de fillettes viables. Et ensuite, il faudra aller chercher du côté de la surface. Je sais que tu es là, et je sais qui t'es. Et me fais moins peur. Qui t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Dégage! Il est temps de nourrir la bestiole, mon gars. Retourne au vivier d'Alexandre et place les plantes à l'intérieur. Yeah.
à l'ennemi. Je ne sais toujours pas ce qui a bien pu pousser cette traînée. Mais Atlas approche, et quoi qu'il advienne, je refuse de devenir un esclave. Une question me taraude. D'où ces enregistrements font-ils office de confession? Je viens de croiser Sinclair dans le couloir. Je crains qu'il ait lu quelque chose sur mon visage. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a suggéré de prendre rendez-vous avec le Dr. Lamb. Pauvre Gilbert. Il souhaitait mourir, Delta. Rendre service à la collectivité en la protégeant de sa folie. Toute ton aventure ici est basée sur ton refus de suivre la même voie. Accéderas-tu à sa demande, sachant qu'il a servi l'intérêt commun? La résurrection? C'est bien beau de vivre éternellement. Mais si on ne peut plus profiter de son corps, c'est que je l'aime bien, moi, mon corps. Non, j'y crois pas à ce truc que tous mes souvenirs et ma personnalité pourraient être stockés dans la caboche d'une sainte marmousette. Chargez l'arc électrique pour créer un véritable orage meurtrier. Oh!
Parfait, tu as ferré la bête. Maintenant, utilise la console pour prélever un échantillon de son ADN. Une nouvelle clé génétique devrait être automatiquement créée. Tu as la clé de la planque où l'âme détient Eleanor. Bien joué. Il n'y a plus qu'à filer l'utiliser à l'oxy-service. C'est terminé. La commande de destruction des échantillons située en face de vous sur la console. On verra dans le vivier une décharge électrique suffisamment puissante pour me tuer. Ne prêtez pas attention à tout ce que je pourrais dire pour vous dissuader. L'homme que j'ai été est mort. Depuis longtemps. Alors que je quitte ce monde, mes pensées vont à Eleanor et les tourments qui l'attendent. Un immense sentiment de pitié m'inonde. Malheureusement, je ne peux plus faire grand-chose d'autre pour elle que prier. Peut-être qu'après ma mort, vous pourrez la sauver. Maintenant, par pitié, mettez fin à mes souffrances. Au revoir, mon ami, et merci. Ne faites pas ça, Delta. Pitié, je suis désolé. Je partirai loin. J'irai vivre loin d'ici. La maladie d'Eleanor pourrait bien être une véritable bénédiction. Les premiers tests indiquent que son statut de petite sœur n'a causé aucune lésion génétique. Il semblerait bien qu'elle soit notre nouveau vecteur. Il ne s'agira pas d'une forme de scission de sa personnalité. Tout le génie de Rapture se retrouvera dans son nouvel ADN, capable de prendre les formes de son choix comme bon lui semblera. L'enfant de l'utopie abolira le hasard du dé de la génétique. Quand il le faudra, elle sera poète. Ou danseuse. Ou ingénieure. Elle sera l'image parfaite de la fille du peuple. Listen to the Game est un podcast produit par Podcut. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts du label sur podcut.studio. Et si vous avez l'âme et le porte-monnaie d'un mécène, un Patreon est aussi là pour les soutenir. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Twitter, @LTTGpodcast, ou sur Facebook. Je rappelle qu'une présentation globale du concept est disponible en épisode 0. Merci de votre écoute et à très vite. Hey!